Moi, c'est pas la meilleure. Attends, t'avais vu la belle fille quand même. Oh, je sais pas. Franchement. Allez, d'un coup, hein. Ouais, allez, on va voir où, allez, la noce. Allez, 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 voir un coup avec lui. Allez, voir un coup là-bas. Allez. Bon, alors, on va faire les deux groupes. Il y a un groupe qui va partir tout de suite maintenant, donc ceux-là vont aller chercher absolument leur sac au plus vite. Vérifiez bien s'il y en a qui ont fait un sac pour deux et qu'il y en a dans un groupe et dans l'autre. C'est le moment ou jamais d'averser. C'est bien réduit, papi. Les chemises, ils les prennent. Bon, écoutez, prenez-les, vous les mettrez ensemble quelques, là-bas au rafting, et puis après vous serez peut-être heureux d'avoir quelque chose de chaud en plus, hein. Vous allez voir que le tout. Oui, hein. Voilà, et un derrière à gauche. Bon, c'est vrai qu'il y a des jeunes et vieux, mais... Moi, je suis jeune. Alors, dites deux personnes, parce que comment on va se faire jouer à la fin. Alors, sachant que deux d'ici, on appelle ça les essuie-glaces. Personne d'ici, on appelle ça la place du mort. Ah, moi j'ai la place du mort, j'ai la place du mort. Moi j'ai la place du mort avec toi. Alors, la position dans le raft, toujours sur le boudin extérieur, d'accord. On vient bien s'asseoir ici. Vous allez voir, c'est un parcours type, on appelle ça type escalier, ça prend toujours à plat, un plat, rapide, ainsi de suite. Dans les rapides, on se cale les pieds. Donc pour ceux qui seront ici, entre le boudin et le plancher, d'accord, sur ceci. Pour ceux qui seront là, sous le boudin. Et pour ceux qui seront devant, pareil, comme ceci, d'accord. Et pour le septième qui aura derrière à gauche, il se calera les pieds aussi sous le boudin. D'accord. Alors, qu'est-ce qui cause les plus d'accidents rapides? Les grandes huiles. Coupe de cailloux. Exactement, c'est la pagaie. Pourquoi? Si jamais on la tient quand on mange de pioche, vu qu'on a un équipage, si jamais ça vient taper le fond de la rivière ou un caillou, elle peut glisser dans la main. Et hop, un coup, c'est lui qui en face. Donc après, si vous avez des comptes à régler, profitez-en. Donc bien obligatoirement, bien la main sur le lit tout le long de la descente. Si jamais vous ne l'avez pas dessus, vous allez voir, ça râle gage, vous m'accoutez, vous m'allez. Donc dans les rapides, vous allez voir, Opaguera toujours. J'aimerais bien qu'on appuie sur ce truc-là pour... Dans les rapides, Opaguera toujours, si jamais on se sent un petit peu déséquilibré, on pose la pagaie comme ceci, on tient toujours le lit, et on se raccroche à la ligne de vie. On va sur la marche, c'est bien.